Pour ça qu'on lance ce game. Ça check comme les Jackson. Re-edit yourself. On a tous un peu grandi là-dedans, sous différentes inclinaisons et différences. Déclinaisons, oula. Et le tout se mélange en fait maintenant, enfin toute cette musique se mélange bien avec toutes les influences qu'a connu le disco. Maintenant on peut en faire des versions hybrides améliorées et au goût du jour quoi, qui sont bien. I mean, when you say new disco, I immediately think of like Norway, do you know what I mean, and Lindstrom and Prince Thomas. I mean, I think they've had a big influence on what certain people class as new disco, but like I say, I don't think you can pigeonhole it. I think it's something much more than just what that term is. Évidemment, on sent qu'on appartient à une scène, ouais, disco évidemment, new disco. Mais en même temps, c'est pas notre but de faire que de la disco. But most people involved in that kind of sound, are kind of got, like I say, got a very broad spectrum of influences. So you might hear someone play a disco track and then play a classic bit of techno or Chicago house, you know. Je pense pas qu'on refasse des espèces de soirées à la Studio 54 justement, parce que le disco ça a souvent été des trucs très épiques, très orchestrés, un peu baroques et je pense que c'est justement qu'on peut ratisser large. Enfin. Le remix en fait c'est le morceau de tu t'en gardes quelques brides et puis tu vas généralement refaire toute une instrumentation. Making a re-edit is quite easy really. It's quite throwaway. It's the new, it's people who are really kind of being creative in the studio making new music. That's what really turns us on as artists. But in terms of a re-edit, you know, we kind of just try and make it a bit more playable, a bit more DJable. T'as un morceau qui est qui a de très bonnes bases, on va dire. Il y a des bases, il y a des séquences que t'aimes moins, et puis tu vas prendre le cœur de la meule et le prolonger par exemple, je sais pas, le break, un truc comme ça, donner plus de consistance peut-être à la basse qui est derrière ou au pied ou l'allonger, un truc comme ça. Mais le morceau lui-même, les instruments de base, en fait, la base même, elle est pas vraiment modifiée quoi. I'm not trying to like put down anyone original music. I'm just trying to make it my own. And that's the beauty of the edit. It's all credit to the artist. I just want to make it something where I just change something to make it my own, to make it something to present to another audience. Ce que je remarque moi maintenant, c'est que dans cette scène, entre guillemets, tous les gens qui sont un peu dans, qui kiffent un peu ce truc, c'est qu'ils se connaissent à peu près tous, j'ai l'impression déjà, qu'il y a une espèce de solidarité face à la new disco, quoi, tu vois. Mais non, c'est des histoires de réseau, mais c'est quelque chose qui existe principalement, je pense, grâce au développement d'Internet, quoi. Ça a commencé par MySpace, évidemment, et puis on s'est changé nos adresses et on s'est changé la musique, quoi. Donc le lien s'est créé par Internet. Every mix we do, every edit we do, with this whole blog thing and the whole Internet thing, like, people keep picking up on it, and music is definitely shared. Comme c'est des disques que tu peux pas downloader parce que enfin tu les trouves pas sur Beatport parce que personne n'a les droits, donc c'est encore un marché qui existe sur le vinyle quoi, le marché des édits. Mais il reste que c'est les morceaux sur lesquels pour lesquels ils ont pas les droits, et s'ils en vendaient 3 000 à 4 000, les propriétaires des bandes se feraient connaître et passeraient un petit coup de fil quoi. C'est une blague de parler de vinyle, tu vois, on peut parler de quelques exemplaires. Personne ne faisait des disques tirés à 300 exemplaires ou à 500 exemplaires il y a ne serait-ce que 10 ans. C'était une absurdité économique, quoi. Les DJ, les collectionneurs achètent encore des disques
je sais pas, on vend, nous on vend, je sais pas, entre 1500 et 2000 vinyles quoi, par sortie. Peut-être un peu plus. La démarche n'est pas la même. Je pense que le download, on l'a vite oublié, il reste dans un ordi ou on grave sur un CD. Le CD, enfin, le vinyle, il reste là, quoi. Il est là, tu l'as. Ça n'existe plus, le vinyle. C'est un objet qui est bien adapté à ces histoires d'édite parce que personne n'a les droits. Pour moi, le CD va mourir avant le vinyle, je pense. J'en suis même certain. Parce que le vinyle, il y aura toujours pour ses collectionneurs. Le nombre de vinyles que j'ai acheté sans savoir ce que c'était, parce que la pochette, tu vois, me disait peut-être que ça c'est bien. Tiens, il y a 4 blacks, tu vois, ils ont des lunettes, ils sont habillés grave et ils sont en train de sauter en l'air. Ils ont fait une photo figée. I'm Jacques Renaud. I'm from New York, and I'm a DJ. Alors moi je suis Marco Dos Santos et je m'occupe d'un club qui s'appelle le Paris Paris et je suis assez puissant. Je m'occupe d'un club. Pardon, j'ai encore. Ça tourne, on est d'accord. Yo 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 yo. So, please introduce yourself. My name is Duncan. I'm one half of Mock and Tooth. Ouais, je m'appelle Stephen, donc je suis DJ à base depuis 15 ans. Non, j'ai pas fini mon interview, j'ai 2-3 trucs à dire. Vas-y, te fais tourner. Moi j'ai tout. Parle au football. Thank you so much. Moi j'ai participé à 2 tournois où t'as été lamentablement éliminé.